Voilà, le père est là, il est en direct. Alors je vous filme quand même un peu l'installation. Donc il y a un micro qui est là, il y a son ordinateur qui est là avec son avatar, il y a le calice qui a été fait par l'artiste Jérémy Taburki. Ah, magnifique. Il y a tout ce qu'il faut hein, pour la messe. Je peux partager, Patrick. Ah oui, il y a même une hostie. On va allumer, la bougie en direct. Il va allumer la bougie en direct. Non, on attend qu'il y ait... Attends. Ah, il y a... C'est pas grave, j'ai fait tomber Est-ce que je peux partager j'ai sur fait la tomber page? mes trucs. Oui, bah oui, tiens, on te voit, regarde. Tu es là. On voit Nelly Voilà, moi je Abeyan qui est partage. là. Voilà. Attends, moi je vais partager aussi. Voilà, qui est-ce qui est là? Il y a JFR qui est là. JFR est là. Voilà. Il y a qui est-ce qui est là? À droite, là, c'est qui? C'est, je sais pas. Il y a le père est là. Voilà, le père virtuel est là. Voilà, le père partage. Moi je partage bien. Voilà. Alors, partager, je partage. Voilà, le père partage. Le frère, en fait, c'est le frère parce qu'il est dominicain. Et là, alors ici, il y a donc l'écran. Voilà. Avec tout le père ici. Voilà, moi, Anneli, Betty Turo. La dame, je ne sais pas qui c'est la dame qui est là. Il y a JFR donc, qui est là, qui expose aussi. Il nous manque encore du monde. Hein, Ça y est, mais... j'ai partagé, je partage sur la page Exode. Voilà, ah bah oui, très bien. Tous Pour ceux qui sont. l'ordinateur, sa souris, Oui. pour qu'ils puissent faire tout. Il y a le micro dans lequel il y a Alors, la j'aimerais messe. ça à IF. Voilà. Là, il y a la liste des artistes Oui. qui exposent en Second Life. Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui arrive aussi. Ah, voilà. Ah, tiens, j'ai des personnes qui commencent à regarder là. Ah, très bien, voilà. Alors là, Voilà. le père est là. Voilà. Le Ah, père. ben, il y a des gens qui disent j'aime. Ah oui, c'est le père. C'est C'est le père qui dit j'aime. moi. J'aime, j'adore. Le père s'aime lui-même. Alors, réellement la messe des artistes demain. Alors, donc avec des vrais artistes, mais on est aussi des vrais artistes. Mais il va dire la messe avec les artistes et Tout à fait, il y oui. a presque 3000 personnes, je crois, dans la messe. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de monde Oui, il y qui a vient. Vraiment, 3000 personnes en vraiment. réel. Voilà. Oui. Voilà. Alors on va. Voilà, je reproche. Alors il est là. Pour Attention. On va donc filmer un moment. Pour ceux qui ne sont pas dans Second Life, ça va leur permettre de voir ce qui se passe réellement dans Ah Second oui. Life. On va passer. Donc on va montrer d'ailleurs les œuvres. Tiens, J'ai pour une artiste qui regarde la voilà. privée. Voilà, pour ceux qui ne sont pas dans Second Life, je montre certaines œuvres qui ont rapport donc avec l'Exode. Voilà, les œuvres d'artistes Voilà, italiens, je suis. espagnols. Il y a même une artiste amérindienne. Là, je suis Une devant les artiste œuvres d'une qui vient du artiste groupe Virtual amérindienne. Ability, d'un groupe de personnes handicapées, et qui est donc d'une tribu indienne, et qui fait des œuvres, entre autres, sur du bouleau. C'est un art traditionnel des Indiens du Nord Michigan. Voilà. Et je l'ai rencontrée dans Second Life, elle est venue de la part de Virtual Ability, donc on a mis les œuvres. Alors là, on a ici, on a un jeune artiste américain qui travaille pour les jeux vidéo, qui est un spécialiste des jeux vidéo, il travaille pour les grandes boîtes de jeux vidéo. Et après, on a Giovanna Cerise, donc qui est une artiste, c'est bien, non, c'est bien Giovanna Cerise, oui, qui est une artiste très intéressante dans Second Life, qui a fait ce thème de l'Exode. Là, on a Jean-François Réveillard, qu'on voit ici, voilà, qu'on voit là, qui est non seulement un artiste dans Second Life, mais aussi qui a créé des îles autour du e-learning, qui est spécialiste du learning et le pionnier des radios web, un des pionniers des radios web, et qui diffuse souvent d'ailleurs en direct Second Life dans sa radio, et qui nous a fait ça, voilà, les border. On va... Je vais aller m'habiller en prêtre, non? Je vais Ah, mais il n'est pas habillé, je le vais à père la Leclerc? sacristie, je Ah, vais oui, non, m'habiller. ah oui, il va s'habiller, le père, Je vais aller mais m'habiller à la dans sacristie, Second Life, je croyais que c'était bien en sûr. vrai, oui. Non. Il y en a qui vont venir Bon, il va à la vers sacri... le 19h30. père va à la sacristie. Voilà. Et donc le père est là. Mais là, il est habillé, Voilà. mais Je en. vais à la Et sacristie, alors, voilà. on a un calice ici qui est de l'artiste Jérémy Taburki, Taburki, oui. et qui se trouve donc aussi sur l'autel là-bas, au bout. Voilà, on ne le voit pas bien, mais on s'approchera tout à l'heure. Alors attendez, moi je suis obligé d'aller m'asseoir en premier, au début, pour que j'ai le son pour le film. Donc je vais m'asseoir au premier rang. Voilà. Souvent Jean-François, oui, Jean-François. Donc je m'assois déjà, moi, je vais m'asseoir. Voilà, le père est là, donc il se prépare. Voilà, toc. Et après, je mettrai la messe en direct. Voilà, tout le monde est là. Ouais. J'allume la bougie. Alors le père va allumer la Voilà, bougie, attention. avec un briquet. Avec un briquet. Voilà. J'espère qu'il ne va pas mettre le feu à l'atelier. Voilà. Ah, mais il y a des gens qui disent, je vais mettre du vin dans le calice, qui est une œuvre d'art. Parce que tout ce qui est dans la messe des artistes, ce sont des œuvres, même Voilà. sans sa chasuble, pendant la messe des artistes, c'est une œuvre d'un artiste.
Voilà. Mais là, il l'a pas mis d'ailleurs, il a mis la chasuble normale. Voilà. Et puis voilà, on a posé le pain. Voilà, et la messe est là prête. Ben, on peut même. Voilà. Et là, il y a du monde, ça y est, tout le monde est là. Donc, on peut s'asseoir sur les. Alors, le père prend des photos pour Facebook. Buongiorno. Buongiorno. Voilà. Ah, mais c'est vrai que... Là, et si on n'a pas Andrew Vaughan. Ah, il y a Max Bern qui est là, qui est de Metz. Voilà. Qui est là. Ah, bah oui, là, j'avais oublié de lui redire, mais heureusement, il s'en est souvenu. Voilà, Max Bern peut s'asseoir devant. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est ma voix qu'on entend à travers le prêtre, parce que je suis là avec. On n'a qu'un seul micro, parce que sinon, c'est trop compliqué. Voilà. Et après, je vais couper le son. Donc, le prêtre ne vous entendra plus parce que moi, je vais entendre uniquement dans mon haut-parleur pour ne pas faire de l'arsène. Ah oui, ça y est, tout le monde a... Ça y est, je reviens. Alors, je ne sais pas. Alors, je vais. Voilà. Mais par quoi? Ah, Chapi est là. Ouf. Ah, j'ai eu peur. On a eu peur, Chapi. On ne te voyait pas. Voilà. On s'est dit, c'est inquiétant. Elle est toujours là d'habitude. Voilà, c'est elle est assise au premier rang. Voilà, Chapi est là. Très voilà. Bien. Sans Chapi, c'est plus oui. Second Life, n'est plus Second Life. Voilà donc, bienvenue à tous pour cette messe qui est la quatrième, je crois, Patrick, que nous faisons. Oui. Sur, dans une église sur Second Life, sur l'île Moya. Et nous avions déjà dit cette messe à deux reprises dans la chapelle virtuelle et en même temps réelle de Clans. Et puis la dernière fois. Et demain, je célébrerai la messe, une autre messe des artistes, dans l'église Saint-Pierre d'Arène. Nous aurons beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a 200 artistes participant à cette messe. Voilà, je vais maintenant donc rejoindre l'hôtel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui et nous commençons cette célébration en demandant au Seigneur sa miséricorde. Seigneur, ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Avec moi, glorifiez le Seigneur, chantez tous ensemble son nom. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais maintenant juste vous dire un petit mot. Ce petit mot qu'on appelle l'homélie. Voilà, je suis très heureux de célébrer cette messe réelle et en même temps virtuelle dans ce monde de Second Life, avec vous tous ici présents. Ce qui me rend heureux de cette messe, c'est ce que disait déjà le pape Benoît XVI et repris par le pape François, c'est justement que l'Église se rende présent là où sont aujourd'hui les êtres humains, dans ce qui fait leur vie. Je faisais remarquer que la réalité de ces mondes virtuels fait maintenant partie de notre quotidien. Je dirais même notre manière de comprendre le monde est imprégnée de toute cette réalité augmentée qui vraiment aujourd'hui fait partie de notre vie. Alors, bien sûr, la messe n'est pas ici une messe jouée. C'est vraiment une messe réelle car, vous pouvez le voir, je suis en train en ce moment de dire la messe.
Le calice de Jérémie Taburki qui est représenté sur l'autel est bien réel, comme la patène Patrick Mouya, le monde de Second Life et toutes ces possibilités de ces réalités augmentées. Eh bien, beaucoup de personnes peuvent aujourd'hui assister à la messe où qu'ils soient, et surtout, et c'est le propre de ces réseaux sociaux, que nous puissions ensemble vraiment le partager. Ce n'est pas une messe à la radio ou à la télévision écoutée passivement, mais c'est une messe où vraiment nous participons, nous partageons un moment, nous pouvons dialoguer, échanger, nous accueillir les uns les autres, partager comme nous le faisons avec toutes ces œuvres d'art, notre vision de monde, notre sensibilité. Donc ce n'est pas simplement un spectacle, mais bien une chose un moment, une célébration, quelque chose que nous vivons ensemble. Bien sûr, demain il y aura du monde, et à la messe de demain, les personnes qui y seront verront les images de la messe que nous sommes en train de vivre. Et ce sera aussi, je pense, une manière de témoigner, eh bien, qu'il y a bien sûr la messe, elle continue de la faire, bien sûr, mais qu'il y a d'autres possibilités, d'autres manières de communiquer la spiritualité. Et puis enfin, je dirais que c'est simplement une célébration. Au-delà même de la messe et de ce que l'on peut croire, de ce qu'on peut partager de la foi, je pense, dans ce moment que nous vivons ensemble, ce qui est bien, c'est de célébrer simplement la vie, de célébrer la vie sous toutes ses formes, avec cette composante aujourd'hui, au fond, merveilleuse, qui a bien sûr sa part obscure, mais qui a tellement de possibilités fantastiques, et bien que nous puissions simplement célébrer ce que nous y vivons, que nous le vivions toujours plus humainement, en qualité de vie, que nous puissions profiter de tout ce que cela peut nous apporter, et aussi et bien que nous puissions le partager, y inviter des personnes, et puis ne pas oublier que le monde réel, bien sûr, est toujours là, mais il s'illumine de tout ce que nous vivons en ce moment, là, maintenant, dans cette église Saint-Pierre d'Arène, qui est certes virtuelle, mais bien réelle dans sa virtualité, et qui nous permet de partager ce moment. Alors à tous et à toutes, eh bien, je vous souhaite de vivre beaucoup de joie dans ce monde de Second Life et dans les réseaux sociaux dans lesquels vous vivez. Et puis continuons maintenant cette messe, portons-la avec tous les artistes qui y ont participé, vous tous ici présents, portons-la aussi avec tous ceux qui sont dans vos cœurs, ces personnes bien réelles et ces personnes qui font partie de vos réseaux sociaux avec lesquels vous communiquez. Portons-la aussi avec les artistes dans Saint-Pierre d'Arène en ce moment, tous ceux qui... j'ai terminé d'installer les œuvres aujourd'hui dans l'église Saint-Pierre d'Arène en réel, elle est magnifique, mais celle que je vois aujourd'hui est bien tout aussi belle, et je suis très très content d'avoir été invité par Patrick Mouya dans cette église pour cette messe. Voilà, et bien... Continuons donc maintenant la messe. Je fais maintenant l'offrande du pain et du vin, et selon la tradition de l'Église, dans cette offrande, nous offrons toutes les réalités qui composent notre vie, y compris bien sûr toutes les réalités virtuelles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, cette Eucharistie, inspire-nous des actes d'amour qui nous détournent de nous-mêmes pour nous orienter vers les autres, que nous puissions mieux nous unir aux passions et aux drames que nous connaissons, que nous puissions être touchés par les autres, et puis que nous puissions continuer de grandir dans l'amour, à l'image de ton Fils qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles notre vie comme une offrande, et nous te demandons eh bien, de savoir partager avec tous ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » T'es assis sur la... Comment je peux me lever? Il faut mettre « me lever » en bas. Et voilà. Ouh là là, non, alors là, le père a un petit problème. Oui, on va... Il faudrait me faire « me lever » et ensuite... « Me lever », c'est bon. Retrouver le... Ça doit être la petite noire c'est qui bon, est devant. C'est bon, ça y est, je l'ai. Voilà, oui, qu'on avait mis là. Parce que... Mais il faut que je j'y arrive dessus. Je vais arriver. Voilà. Je crois que normalement la main va s'afficher. Ah, ça y est, elle est là. Voilà. Pray. Voilà. Pray, voilà. On repart. C'est beau. Mais... Voilà. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Je propose que nous prions pour tous les défunts de vos familles, pour tous ceux qui ont disparu, pour tous ceux qui nous ont quittés, de nos proches, de nos amis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur le tout, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire la parole, la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous pouvons échanger les uns avec les autres la paix du Christ, que nous puissions ensemble connaître cette paix, en particulier par les temps troublés que nous connaissons, et bien que nous ayons à cœur de chercher la paix dans notre propre cœur, et la paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors nous ne pouvons pas bien sûr communier de manière virtuelle, mais nous pouvons communier de manière réelle. En effet, eh bien, si nous partageons la foi de l'Église, il y a ce que l'on appelle une communion spirituelle d'union qui reste possible si on le désire, et en tout cas à travers ces gestes simples d'une fraction d'un morceau de pain et d'un peu de vin, eh bien nous pouvons en tout cas, comme le souhaitait Villette qui a inventé ce qui s'appelle la messe des artistes, eh bien que nous puissions, il le souhaitait lui-même, communier dans notre, à travers notre humble humanité. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guéri. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Voilà notre Eucharistie, notre messe va maintenant s'achever. D'abord, je tiens à vous remercier de m'accueillir dans ce monde, voilà, d'y avoir été accueilli. J'y étais entraîné par Patrick Moya. Mais toutes les rencontres y sont pour moi heureuses. Et voilà, j'espère un jour avoir une meilleure connexion dans le couvent où je vis, de manière à pouvoir y être plus souvent. Voilà. Et je serai donc peut-être un peu plus performant dans le maniement de mon avatar. Il faut peut-être parler du thème de la messe. Alors, le thème de la messe, qui est aussi le thème que je vois dans certaines des œuvres qui sont ici présentées, c'est le thème Exode. C'est le thème de la messe des artistes cette année. Et c'est un thème qui est le thème du carême, puisque le carême dure 40 jours,
comme les 40 ans du peuple hébreu dans le désert, ça reprend ce chiffre symbolique, et les 40 jours que Jésus lui-même passe dans le désert. Donc c'est voilà, le temps du carême. Et ce temps, il y a un livre de la Bible qui en parle, ce livre de l'Exode. Et donc il raconte cette histoire bon, que l'on connaît par le cinéma grand spectacle de Cécile B 2000 avec les eaux qui s'ouvrent, le peuple qui passe et les Égyptiens qui sont engloutis, qui poursuivaient les Hébreux. Voilà, donc c'est cela que nous célébrons. Et c'est une manière de dire eh bien, qu'il faut parfois traverser certaines difficultés dans l'existence pour eh bien, avoir plus de joie, gagner plus d'humanité. Cela suppose eh bien, une sorte d'effort sur soi-même de faire une traversée. Voilà pour ce thème du carême. Mais c'est aussi un thème eh bien, important parce que c'est un thème qui touche à l'actualité avec les migrations. Avec aussi ce qu'on a découvert sur, partie c'est assez extraordinaire, sur l'Homo sapiens, on a découvert que c'était un homme, enfin c'était un humanoïde, enfin donc on est classé dans les humanoïdes, qui aime voyager, qui aime migrer, et qui n'a pas arrêté eh bien, d'aller même vers des destinations qu'il ne connaissait pas. Donc ben, nous avons ça en quelque sorte dans notre nature même, nous avons une nature migrante. Et puis nous connaissons évidemment le drame des migrants partout. Il y a celui qu'on voit dans l'actualité, je parle ici de l'Europe, mais les migrations concernent beaucoup beaucoup de pays. Et il y a des migrations à cause des guerres, des difficultés économiques. Et bientôt il y aura des migrations écologiques du fait du réchauffement climatique comme cela est annoncé. Donc voilà, cela au fond est dans la vie. Et j'ai voulu qu'il y ait un moment à la fois de réflexion, et puis se rappeler qu'en Abraham, pour les croyants, eh bien, nous sommes tous migrants, puisque Abraham a commencé son parcours spirituel eh bien, à l'appel de Dieu, qui l'a appelé à quitter son pays et aller vers un pays qu'il ne connaissait pas. Donc nous aurons d'ailleurs à la fin de la messe une invitation à la paix interreligieuse avec juifs, musulmans, chrétiens, hindouiste, bouddhiste, et il y a aussi une invitation à la paix qui sera faite par l'humanisme fraternel, athée, voilà, quelqu'un qui viendra parler voilà, au nom de ses convictions. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va rassembler tout le monde, que nous puissions ensemble connaître cette paix, que nous puissions avoir vis-à-vis eh bien, de tous ces phénomènes migratoires, eh bien, une attitude et une réflexion qui tiennent compte de la complexité de toutes ces situations. Voilà. Donc les artistes y participent, chacun selon le thème qu'il veut. Je pense par exemple à ce qu'a fait quelqu'un comme Jérémy Taburki. Il a représenté un dictateur, comme extraordinaire. Mais d'autres ont évoqué la question des migrants. D'autres voilà, ont évoqué Abraham ou Moïse, que sais-je. Voilà. Et puis simplement aussi ce qu'ils avaient envie de dire, il y a aussi des migrations intérieures, des parcours intérieurs en tout cas. Voilà. Donc c'est une exposition très diverse qui réunit 130 pièces, c'est-à-dire plus de 90 artistes exposants. Donc c'est une exposition très très conséquente. Voilà. Et nous aurons d'ailleurs une émission particulière qui sera faite sur France 3 sur cette exposition et sur la messe que nous vivrons. Et la messe que nous venons de vivre, qui va maintenant s'achever, sera aussi présente dans cette émission. Ils ont voulu associer messe virtuelle Second Life et messe en réel demain soir. Donc, vous voyez, vous serez aussi présents, voilà, encore dans les médias. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui est important, c'est ce moment que nous vivons maintenant et que nous allons maintenant achever. Continuer. Voilà. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, que nous observions le seul jeûne que tu aimes, qui est l'amour de nos frères, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons pouvoir faire l'envoi final. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. À chacun de vous ici présents, eh bien,
une bonne fête de ce moment que nous avons vécu ensemble sur Second Lac, dans ce monde ici. Et puis une bonne fête des artistes, pour les artistes qui sont ici présents parmi nous. Et en tout cas, la joie de nous retrouver, eh bien, pourquoi pas, à un autre moment pour une autre messe ou un simple rendez-vous. Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. Voilà, merci. Merci Patrick. Enfin, mon père, mon frère. Enfin, merci Patrick. Merci à tous. Voilà. Alors, attends, je vais remettre le chat. Parce qu'on avait coupé le chat. Alors, parce que pour pouvoir filmer. Voilà, on a coupé le chat. Voilà. Je crois qu'on a eu des commentaires de Kate Brock, comme d'habitude. Voilà. Ah, attends, il faut que je chante. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, voilà. Voilà. Donc, ceux qui sont dans la région peuvent aller à la messe des artistes demain. Oui. Il y a presque 3000 personnes qui viennent. Et il y a, il y a bien une centaine d'artistes. Il y a 200 artistes. 200 artistes. Voilà. 200 artistes qui ont collaboré à la messe. Voilà. Voilà. Alors, dans la vraie messe. Là, nous, on en a moins. Nous, on en a que une 10, 15, je ne sais plus. 15. Oui. Voilà. Alors, par contre, j'arrive plus à revenir avec. Ah oui, il faut que j'appuie là, voilà, j'arrivais plus à changer mon avatar de place. Voilà, alors je reviens, toc, je me lève, voilà, on peut se lever. On peut aller voir l'expo d'ailleurs, parce qu'il y a l'expo qui est là-bas. On peut faire un petit vernissage quand même pour... Voilà, on va faire le petit vernissage. Il n'y a rien à boire, parce qu'à la messe, il y a à boire par contre, la vraie. Mais ici, bon, il n'y a rien à boire. Il y a des nouvelles personnes. Ah, il y a Francesca qui est venue. Voilà, Francesca est là, mais elle a une robe tellement grande qu'elle est, elle déborde de son siège. Et elle n'a plus de cheveux, tiens. Voilà, alors attends, on va filmer le petit vernissage virtuel. Voilà, il y a un petit vernissage virtuel. Bah, peut-être je vais aller m'habiller en prêtre, enfin je vais enlever mon vêtement de prêtre. Hein. Voilà, en vrai ou en virtuel? Enfin je vais dans les deux. Dans les deux, il va enlever son vêtement dans les deux. Dans les deux, voilà. Mon vêtement de prêtre. Voilà. Ah oui, Francesca, elle est à Marie-Antoinette, je ne sais pas pourquoi. Oui. Voilà, alors qui est-ce qu'on a ici? On a... Attends, parce que je n'ai pas eu le temps de voir qui y avait, puisque j'étais coupé. Il y a l'oiseau Congrejo, donc qui est l'artiste qui a fait l'œuvre qui est là-bas au fond, qui est l'œuvre que tu as vue, rouge et blanche avec les personnages. Voilà, il y a... alors je vais voir qui est là. Il y a Dunagand, donc, qui a fait l'œuvre qui se trouve sur l'Exode, qui se trouve au fond ici. Voilà. Qui se trouve ici, voilà, qui est une œuvre mobile, en fait. Voilà. Et Dunagand, elle est espagnole. Voilà, je ne sais pas si Duna a la voice pour dire un mot. Voilà, Duna. Voilà. Ah, mais c'est vrai que Duna nous entend à travers ta voice. Il faudrait que je remette la mienne. Ah, qui est-ce qui parle? Voilà. Attends, je vais essayer de parler quand même avec mon micro, mais je ne sais pas s'il marche bien. Voilà. Voilà, donc Duna a fait cette œuvre qui est au fond, qui s'appelle l'Exode. Oui, oui. Mais par contre, je ne vois pas les autres artistes, c'est assez bizarre. Mais on m'a dit effectivement qu'il y avait un problème. Oui, Alozio, je l'ai vu, il est là. Mais j'ai l'impression que ça vient du problème de la cyberattaque qui a eu lieu aux États-Unis il n'y a pas ce soir. Alors. Donc, voilà. Ah, bah, il y a des gens qui sont loin, ils se sont trompés d'endroit. Hein? Ah. Mince, les pauvres, ils sont arrivés loin. Aïe, aïe, aïe. Et je ne les ai pas vus. Yara, Ah, elle était à la messe. Ah, bah, elle est sortie alors, elle est partie. Ah, mais ça va, non, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle avait raté la messe. Voilà. Alors, il y a Chapi qui est là, donc, qui est arrivé très tard, c'est rare. Hein. Il y a Max Bern donc, qui est là. Alors, c'est Max Bern, je le connais en vrai. Il vient à Nice parfois. Je ne sais pas si Max, tu seras à la messe des artistes. Je ne sais pas s'il est de messe. Ah mince, parce que tu aurais pu venir à la... Tu es déjà venu à la messe des artistes, non? Avec Paul. Non. Ah voilà, bah, il était à la messe des artistes l'année dernière. Il est de messe. Ah, d'accord, très bien. Ah, il est de messe, d'accord. Oui. Il est peut-être venu exprès d'ailleurs, non? Vous n'étiez pas venu presque exprès? Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Oui, parce que sa maman était à Nice. Mmh. Et le père, donc, tu as vu le père, alors en vrai, tu as vu le père officier.
Voilà, le père s'est changé. Voilà. Maintenant, il s'est changé en vrai et en réel. Voilà, il est changé dans les deux. Voilà, il a mis son costume. Il est doué quand même dans Second Life parce qu'il s'est entraîné, il faut dire. Un petit peu quand même. Voilà. Ah, il y a Florence qui s'est endormie, on me dit. Ben, elle est... Parce que Florence était là, mais elle doit être en train de faire autre chose. L'avatar s'est endormi. Quand on s'en occupe pas, il s'endort. Voilà. Il y a Vizardoz. Bah, Vizardoz, elle est artiste aussi. Ah ben, on ne l'avait pas vu. Alors pour... Ah ben mince, on aurait dû... Ah ben, l'année prochaine. On a oublié de lui demander. Ah zut. Ah oui, parce qu'on a fait un peu vite, alors évidemment. Là. Oui. Voilà. Voilà. Alors Max, là, il sera peut-être là l'année prochaine. Alors Francesca, elle n'est jamais venue à la Maison des Artistes parce qu'elle est belge. Elle est à la fois sicilienne et belge. Je crois que c'est ça. Hein. Mais tu n'as pas de cheveux, Francesca, c'est normal? Qu'est-ce qu'elle a? Tu as peur? Ah si? Oui, mais... Ah mais moi, je vois ta tête. Moi, je vois... Ah si, moi... Ah oui, mais tu as une tête aussi sur la tête. Moi, je vois une tête sur la tête. Ah, les deux lièges. Voilà. Par contre, je t'entends trop fort. Alors, attends, je vais essayer de baisser Francesca, parce que j'entends trop fort. Oui, les deux lièges. Ah, mais tu entends pas, tu les entends pas? Là, je les entends pas. Non, j'entends ah non, il n'entend pas, le père. Mince, il ne vous entend pas parler, zut. Ah, oui, enfin, oui, c'est grave, parce que j'ai... En fait, j'avais mis, le pour pas faire de l'arsène, j'avais mis... Ah, voilà, voilà, ça y est, voilà. Ah mince, alors, il n'a pas entendu Max, il est de messe. Voilà, Max est de messe, c'est lui. Donc Max voilà, est là. Et oui. Lui, il était à la messe donc l'année dernière. D'accord, très bien, oui. Voilà. Ah oui, tu n'as pas entendu, mince, oui, ça c'est bête. Non, mais... non, mais ça va. Et avec le pasticcio, c'est italien. Voilà. Ah ben, Max, tu peux lui redire au père que tu étais à la messe, parce qu'il n'a pas entendu. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai tout débranché, et donc j'ai plus de micro, moi. T'as entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, non, il t'avait pas entendu quand tu as parlé, le père, parce qu'en fait, j'avais mis un casque pour pas faire de l'arsène. Donc, en fait, je croyais qu'il entendait, mais il n'entendait pas. Voilà. Voilà. Donc, je lui ai répété ce que tu as dit, que tu étais à la messe. Et toi non plus, tu ne dois pas trop m'entendre, parce que le micro, oui, maintenant, le micro est loin. On va essayer. On va mettre comme ça. C'est bon. Là, normalement, c'est bon. Voilà. Et donc, le père est là. Le père est changé. Voilà, il s'est changé. Le père s'est changé, voilà. Voilà. Et puis après, il va falloir qu'il rentre, parce qu'il doit rentrer au couvent. Oui, et demain, j'ai encore une journée assez chargée. Oui. Et oui, parce qu'il y a la messe qui se prépare demain. Oui. Et voilà. Donc, il va aller... il va rejoindre... le couvent. Et il y a Jean-François Réveillard qui est là aussi. Ouais. Mais on ne l'a pas entendu parler, Jean-François. Je ne sais pas s'il parle. Et Duna, on ne l'a pas entendu non plus parler. Parce que Duna est espagnole, mais elle parle un peu français. Elle parle plusieurs langues. Voilà, elle est là. Voilà, Duna est là. Mais c'est vrai qu'elle ne m'entend pas non plus, puisque j'ai pas... Oui. Il faudrait presque enlever le micro. Attends, pour pouvoir... le micro, peut-être. Non, il faudrait enlever le micro de son. J'avais mis des élastiques. Voilà, tiens. Voilà. Le micro. Voilà. Alors là, moi j'ai le micro maintenant, mais je parle à travers... Ah ben, Jean-François nous parle. Alors attends. Salut Jean-François. Ah. Ben, merci d'être venu. Oui, enfin je sais pas. Voilà. Salut Patrick. Voilà. Alors Jean-François, c'est le pionnier des radios web. C'est un des premiers créateurs de radios web... Si surtout de m'avoir écouté, il y a très longtemps. De faire toujours de choses. Alors attends, je vais essayer, je vais te tenir. Ah voilà, Duna elle parle. Voilà. Hello Patrick. Salut. Bonsoir. Voilà, Duna. Donc Duna elle expose ici. C'est génial, toujours avec plein d'interactions et avec le monde réel. Ah oui. C'est vraiment super. Et donc Jean-François, je me souviens plus ce que tu m'avais dit quand on avait fait la conférence pour le 27 Delval, tu m'avais dit que tu travaillais pour l'Union Européenne, donc pour le learning, je crois, à la Commission Européenne, je
C'est un plus. Ah, mais peut-être qu'il nous entend pas bien, parce que c'est vrai que le micro passe à travers. Aussi, oui, je suis conseiller pour européenne pour pas mal de choses, pour les nouvelles technologies, et principalement dans le monde éducatif et dans le monde de l'art. Voilà. Et c'est dommage que tu puisses pas venir à la messe réelle, parce que tu aurais pu, on aurait pu diffuser sur DBC, parce qu'il est patron donc, de DBC Radio et TV. Ouais, ouais. Et donc, il y a souvent des diffusions qui se font aussi en direct de Second Life. En fait. Ouais. Voilà. Ouais, bah ouais, je sais, mais c'est toujours un peu compliqué, mes emplois du temps. Et oui, je sais. Ouais, bah, oui, voilà. Ouais, bah, c'est déjà bien que tu sois venu, comme ça. Tu as vu, tu as assisté, je crois que tu avais assisté déjà une fois à une messe du Père Lequin en virtuel. Voilà. Et Dunant, il faudrait qu'elle vienne aussi, Dunagant, il faudrait qu'elle vienne un jour à la messe réelle à Nice. Oui, je crois que c'est le travail, oui. Il y a 2 ans ou un an, je ne sais plus. Ouais. Oui, on avait déjà fait une messe ici. Oui. Voilà. Voilà. Alors on va peut-être par contre laisser partir le père, oui, parce que je crois qu'il faut qu'il aille se coucher. Demain, il a la messe, il a 3000 personnes qui vont assister à la messe, et il a au moins 200 artistes qui vont venir l'embêter parce que leurs œuvres ne sont pas au bon endroit. Ou... Il va gérer 200 artistes. Donc c'est fatigant, hein, ça risque d'être très fatigant. Je vous dis au revoir. Hein. Voilà, je dis au revoir sur Facebook. Au revoir, merci, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Est-ce que je peux dire au revoir, moi, avec la main? Est-ce qu'on peut dire au revoir avec la main? Je ne sais pas comment je fais déjà. Attends, je vais faire clap, clap. Voilà, j'applaudis avec la... Voilà. Merci, au revoir. Bon, alors moi, je vais couper déjà la direct de... On va couper le direct, voilà. Voilà, je vais dire au revoir aussi, parce que je ne me suis même pas montré, moi. Oui. Pour une fois, je ne me suis pas montré. C'est le... Il n'y a plus narcissique que moi, en fait. Voilà, je dis au revoir aussi. Voilà, en avant. C'est parti. Bon, ben, alors, je te coupe le direct sur Facebook. Alors, comment on fait pour terminer?